Bonjour, bonsoir, amis internautes. Nous saluons très fort dans le nom de Jésus-Christ. C'est encore un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou avec une nouvelle vidéo. Nous comptons retrouver encore sur Chanel à nous parler la Bible. C'est toujours au frère, au collègue, aux amis, au Jonas Descartes qui est encore avec vous pour continuité et série études bibliques que nous avons commencé. Sur évangélisation, qui c'est un bail qui est très important, un sujet qui est très important pour nous les chrétiens et pour nous capables à connaître non seulement que nous devons nos besoins évangéliser, qui importance évangélisation, hein, qui monde qui est capable évangéliser et ensuite cap obstacle que vous capable rencontrer surtout lorsque vous même vous évangélisez. Nous t'ai fait une première vidéo pour même côté que nous t'ai défini simplement évangélisation qui c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Peut-être nous capables de l'autre définition d'évangélisation, mais moi nous-mêmes nous t'ai qu'aimé ça qui est aussi simple. Hein? Et je dis à nous voulons continuer série de vidéos ça pour nous capables de parler. Je dis à nous pas dit pour qui ça que nous devons évangéliser. OK? Et pour qui ça que nous devons évangéliser? Qui raison qui fait que nous avons besoin d'évangéliser? Bon Dieu béni, nous allons continuer très rapidement. Nous allons faire une première lecture pour c'est dans Jean chapitre 20, le verset 21. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 21. Il dit comme ça, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous parlons de cinq raisons. Première raison, c'est parce que Jésus-Christ m'a dit nous pour nous faire ça. Jésus-Christ voyait nous, les mandater nous. OK? Jésus-Christ mandater nous pour nous capables aller faire ça, aller évangélisation, aller mandater nous pour ça. D'après Jean chapitre 20, le verset 21. Et ça fait que nous avons fait étude ça, c'est parce qu'il y a un pile monde qui a du mal à évangéliser et nous avons un pile texte biblique que nous allons porter pour vous, ok? Et au cours de séance ça, cap edo en pile et à faciliter pour capable évangéliser n'importe qui monde. Bon Dieu béni. Nous dit que première raison c'est parce que Jésus-Christ mandé nous ça, il mandaté nous ça, ok? C'est la Bible qui mandaté nous pour nous évangéliser, ça quelque nous besoin. Évangéliser, d'après Jean, chapitre 20, le verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Et nous prenons le pour un autre texte qui c'est dans Matthieu, Marc, chapitre 16, Marc, chapitre 16, le verset 15. Marc, chapitre 16, le verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. OK? C'est parce qu'on a un mandat pour aller, OK? Et c'est aller pour aller prêcher la bonne nouvelle à qui moun c'est avec moun les perdus pour aller prêcher bonne nouvelle ça. OK? Ça, c'est une raison qui fait que nous besoin, nous devons, son obligation pour nous évangéliser. Bon Dieu bénis. Deuxième raison qui fait que nous besoin évangéliser, c'est parce que tout le monde égaré. Dans le monde, tout le monde égaré. Bon Dieu béni, tout le monde égaré, tout le monde pas qu'on a rien pour faire ça qui bien. Mais c'est vous-même par rapport à vous qui va le faire connaître bonne nouvelle de Jésus-Christ là, d'après Romains chapitre 3, le verset 11. Romains chapitre 3, le verset 11. Il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Bon Dieu béni, pas rien encore. Tout le monde est garé. Et si tout le monde est garé, tout le monde n'a pas rien, ok? Eh bien, nous avons besoin de parler de Jésus. Nous avons besoin d'entendre bonne nouvelle là. Ok? Eh bien, si tout le monde est garé, nous avons besoin d'entendre bonne nouvelle là. D'après Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Nous parlons pour vous. Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. Ok? Le verset 13 à 15. Il dit comme ça. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix.
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. En tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'évangéliste, nous, c'est moun qui gen bonne nouvelle là que nous besoin annoncer avec moun qui perdu parce que tous sont égarés, tous sont pervertis. Bon Dieu bénis nous, mais nous besoin annoncer yo bonne nouvelle là. Bon Dieu bénis nous, yo besoin tendre li, OK parce que yo égaré sous là, non seulement Dieu mandaté nous et mode là égaré, ben nous-mêmes nous besoin aller prêcher yo la bonne nouvelle. Et troisième raison c'est parce que yo pa gen yon lot nou ki capable sauver les hommes. Bon Dieu bénis nous, d'après Actes chapitre 4 le verset 12. Actes chapitre 4 le verset 12. Il dit comme ça: il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que pas gagner yon l'autre nom qui capable sauver les hommes. Et bien non ça, comment que y a fait connait si pas gagne moun qui allait? OK? Comment faire pas y a fait connait si pas gagne prédicateur? OK? Et si y a prédicateur faut qu'il envoie mais Jésus-Christ avant même que lui monte, lui baille, non seulement monsieur yo mandat, lui mandaté yo pour aller, mais nous même tout nous gain mandat ça aujourd'hui pour nous aller vers les païens, pour nous aller vers les perdus, OK? Pour nous capable prêcher yo la bonne nouvelle parce que pas gagnons l'autre nom encore qui capable sauver les hommes, c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Nous dit troisième raison c'est parce que pas gagnons l'autre nom encore qui capable sauver yo. Quatrième raison qui fait que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'évangéliser, c'est parce que mon Dieu voulait tout le monde connaît étendre vérité. Mon Dieu voulait tout le monde connaît étendre vérité. Nous allons lire un premier texte pour 1 Timothée 2 et verset 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Nous allons lire pour lui dire, cela est bon et agréable devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon Dieu bénis, oui. L'île de tout le monde sauvé, et il y a deux facteurs là. L'île non seulement veut le sauver, mais le connaît tout, vérité. Et dans Matthieu 24 encore, ok? Ça veut dire que d'après texte 1 Timothée 2, verset 3 à 4, ça veut dire que Dieu voulait tout le monde tende et connaît vérité. Mais nous allons les pousser encore dans Matthieu chapitre 24. Le verset 14, OK, Matthieu 24, le verset 14, il dit comme ça: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon Dieu bénis nous. Ça veut dire que c'est dans ça dans plan bon Dieu pour nous-mêmes en tant que envoyés pour autant de bonnes nouvelles là. Et puis autant d'elles, c'est nous pour faire autant d'elles. C'est nous, bon Dieu, en tant que chrétien, bon Dieu, mandaté pour aller vers eux-mêmes pour annoncer eux la bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, ça que autant d'elles, la servi au témoignage. Bon Dieu, mais nous, la servi au témoignage. Et cinquième et dernière raison, OK, qui primordial, qui est important pour moi et qui fait que nous besoin aller évangéliser, c'est parce que moi-même, en tant que chrétien, si que ou senti Jésus-Christ bon pour qui ça ou pas parler l'autre monde de lui. Ah ben, si ou certainement ou senti Jésus bon pour vous, ou besoin parler l'autre monde de Jésus ça. En nous garder un texte, c'est 1 Pierre 2, le verset 3 et verset 4, nous allons ensemble. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 3 à 4. Il dit, si vous goûtez que le Seigneur est bon, dites-le-nous, si vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Faut vous faire pareil comme ça. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sur que nous sommes guéris. Ça veut dire que faut vous faire pareil comme ça. Que Jésus a été mouru pour vous. Faut vous faire connaître que les bon pour vous. Parce qu'il dit, si vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui.
Bon Dieu, mais nous, eh bien, si que moi Jésus bon pour moi, faut une capacité pour me faire joler pour lui, faut me faire louange pour lui. Moi, si l'homme qu'a fait joler pour l'homme pareil, après forte raison, Jésus ça n'a pas servi, nous besoin faire joler pour lui. Bon Dieu, mais nous, mais si que Jésus bon pour vous, eh bien, ou une obligation pour parler l'autre monde de Jésus ça. OK, côté Jésus t'es bon, côté sorti avant, route que il fait avant. Bon Dieu, mais nous, c'est raison ça que nous déposer qui fait que ou besoin évangéliser. Ou même qui a suivi nous capable ou capable entrer en bas vidéo yo dans commentaire ou mettez une raison ou même personnel qui motive pour capable évangéliser. Que bon Dieu bénisse, grâce bon Dieu pour vous, à la prochaine dans l'autre vidéo.